Bon, Clément Fructus, on a envie de dire qu'il a pas manqué grand-chose aujourd'hui. Ouais, bah, ça a été un match qui s'est joué au duel, ça a été compliqué. Ils étaient pour vous en première mi-temps, enfin. Bah, on a réussi à mettre beaucoup de rythme. On a réussi à mettre du rythme, on a eu les occasions, on a mis le premier but sur un beau but de Julien Pistorici. Puis après, il tient, joli but, faut le dire. Très très joli but de Julien. Puis après, à la fin de la deuxième, là juste avant la mi-temps, on a cette occasion de mettre le deuxième par Bello. Bah, malheureusement, on n'y arrive pas. Puis, puis après, ils mettent la pression, quoi. Il y a une grosse pression sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. Très grosse pression. On a eu du mal à ressortir le ballon. On a eu du mal à ressortir le ballon. On a eu du mal à garder le ballon devant. Donc ça a été compliqué. Puis finalement, quand on a réussi un petit peu à ressortir la tête de l'eau, c'est là qu'on s'est fait coincer sur un contre sur le premier but. Puis un pénalty évitable sur le deuxième. Donc, ça fait progresser ce genre de match pour le championnat? C'est frustrant. La victoire, elle est importante hein, pour continuer les matchs. C'est important d'enchaîner les victoires. Mais bon, c'est un match, je pense, qui peut nous servir pour le maintien là, sur cette fin de saison. Donc j'espère que Deval Lyonnais, fin février, on sera répondre présent avec ce genre de match. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose. Fin février, il y a une petite trêve à négocier quand même là, du coup. Il y a une petite trêve à négocier parce que... Ouais, bah non, on aime le ballon quand même, on aime le ballon. Ok, allez, merci à vous. Pas de soucis.